Pouette tout le monde, ici Sky the Pouic Pouic et aujourd'hui sous vos yeux ébahis, je vais vous donner une fantastique astuce pour tout simplement maximiser vos points d'acquisition, histoire de profiter pleinement de tous ces atouts. Atouts qui apportent des bonus non négligeables, je rappelle. Donc pour ce faire, c'est très simple, il faut déjà dans un premier temps donc, avoir Skyhold, donc le fort céleste, n'est-ce pas? Et ensuite, débloquer ce charmant jeune homme qui porte le nom de Faris le représentant. Alors, Faris le représentant, à quoi sert-il? Alors, quand on va voir ce qu'il vend, on peut remarquer qu'il vend... Alors, où est-ce qu'il vend ses... Voilà, c'est là. Donc, on peut remarquer qu'il vend des espèces de bouquins. Alors, je vais vous acheter le premier, histoire de vous montrer, par exemple, le moins cher, donc celui à 167 pièces d'or. Donc par exemple, si je l'achète, hop, j'en achète qu'un, j'appuie sur B, voilà. Donc vous voyez en bas que ça m'a filé 150 points d'acquisition. Donc là, vous voyez, actuellement, je suis level 10 au niveau du niveau d'acquisition. En sachant que le niveau maximum, c'est le niveau 20. Donc moi, je vais vous donner une astuce pour monter au niveau 20. Donc petite astuce qui va pouvoir vous servir dans toutes vos parties, ça va grandement simplifier vos parties. Donc en fait, il suffit... Donc de retourner dans les shops. Donc là, vous voyez, il y a le passe-droit officiel. Donc le passe-droit officiel, il y en a 10. Ça vaut 6886 pièces d'or l'unité. Bon, là, vous voyez, en bas, j'en ai 8488. Alors, c'est très simple. Donc, je vais en acheter un. Voilà, j'en achète un. Je reste toujours dans la boutique. Et je fais vendre. Et là, je vois que dans vendre... Donc je possède le fameux passe-droit officiel que je viens d'acheter. Donc il ne se trouve pas dans racheter, attention. Donc là, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir de l'interface de vente. Parce que si vous sortez de l'interface de vente, le passe-droit est consommé. Et s'il est consommé, il n'apparaît plus dans votre inventaire et vous perdez tout l'argent mis à l'intérieur. Donc il suffit tout simplement de le revendre, tout bêtement. On repasse sur l'onglet acheter. Donc là, il y a de nouveau 10 passe-droits officiels vu qu'on vient de lui vendre le 10e qu'on lui a acheté juste avant. On le rachète, on le revend, on le rachète, on le revend. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Alors, on va le faire 2-3 fois encore, histoire de bien vous montrer le gain monumental que ça vous apporte, point de vue, point d'inquisition. Là, voilà, on va encore le faire, voilà, je pense que ça suffira. Donc attention, je quitte la boutique, voilà, et ça m'a fait péter jusqu'au niveau 13, niveau 13 d'inquisition. Vous avez vu, ça va très vite. Bon, moi, j'ai que 8000 pièces d'or, donc je peux en acheter qu'un à la fois, mais vous, si vous avez davantage de pièces d'or, prenez-en plusieurs d'un coup, comme ça ira encore plus vite. Enfin, techniquement... À partir du moment où vous pouvez en acheter un seul, ça suffit amplement. Là, vous avez vu, j'ai fait ça en même pas 2 minutes. J'ai pris 3 levels d'inquisition, ça va super vite, surtout pour arriver au niveau 20. Voilà, c'est très rapide. Donc voilà pour cette petite astuce. Je vous donnerai rendez-vous dans les 2 prochaines astuces pour Dragon Age Inquisition que j'ai faites, qui concernent comment avoir l'argent à l'infini, très important, d'ailleurs ça peut bien servir pour cette astuce là, et comment avoir les points d'expérience à l'infini. Donc voilà, donc moi je vous donne rendez-vous donc pour les prochaines vidéos, ou sur les autres vidéos des autres astuces de Dragon Age Inquisition que j'ai faites. Voilà, allez salut tout le monde, et jouez bien, et kiffez bien votre endive. Allez salut!